Alors, on va commencer avec un étirement très simple. On va commencer un étirement pour le bas du dos. Donc, on va mettre les jambes en parallèle, un peu plus large que les hanches. Tranquillement, on va venir plier les genoux, basculer le bassin vers l'avant, relâcher les épaules et la nuque et enrouler jusqu'en bas. Lentement, pas vite, une vertèbre à la fois, en s'assurant d'avoir le poids bien au milieu des pieds. Relâche la nuque complètement une fois rendu en bas, garde les genoux pliés. Remonte lentement, une vertèbre à la fois, pousse dans les talons, les épaules et la nuque restent détendues. Allonge les jambes doucement, allonge le dos, ouvre les épaules, allonge la nuque. Encore une fois, plie les genoux, enroule le bassin, une vertèbre à la fois, prends le temps d'être lourd, assurez-vous de prendre le temps d'aller chercher tout l'étirement dans la colonne vertébrale, donc c'est quand même très lent. Relâche jusqu'en bas et remonte lentement, pas vite. Pousse dans les pieds. Bascule le bassin vers l'avant dans la remontée aussi. Prends temps d'allonger tout au complet. Allonge la nuque. On y va pour une troisième fois. Plie les genoux en premier. Bascule le bassin. Enroule la tête. Descends tranquillement. Laisse le poids des bras et de la tête tirer vers le bas. Et remonte tranquillement. Cette fois-ci, dernière fois, plie les genoux, enroule, descend complètement jusqu'en bas, laisse les bras mou. Une fois rendu au sol, allonge les jambes tranquillement. Long les genoux. Descends la tête plus basse vers le sol. Assurez-vous d'avoir les hanches en ligne avec les talons. Donc, mon poids est bien vers l'avant, sur l'avant du pied. Relâche la tête. Descends un petit peu plus bas la tête. Tranquillement, enroule une vertèbre à la fois. Plie les genoux et remonte doucement. Lève les coudes, on s'en va les coudes au plafond doucement. Allonge les bras. Relâche les épaules, engage la taille. Tranquillement, tire les bras de chaque côté, loin, descend. Les bras en deuxième position. Engage les omoplates derrière, engage les abdominaux. Tire les bras le plus loin possible en allongeant les doigts. Tire. Bascule devant à 90 degrés, doucement le dos droit. Reste ici. Allonge un peu plus la nuque, tire les bras de chaque côté, les bras restent en ligne avec les épaules, tire un petit peu plus loin. Doucement, descends un bras, rotation du dos, engage les abdominaux, twist. Ma nuque reste longue, allonge un peu plus. Descends la main au sol, au plancher, et viens chercher une rotation au niveau du dos, de la colonne, allonge la nuque, sors les fesses. Tranquillement, prends la main qui est au sol, lâche le plancher, viens tirer dans la diagonale devant. Le bassin reste stable, tension aux hanches. Tire les bras un peu plus loin, allonge la nuque, regarde au sol. Expire, va un peu plus long et complètement relâche sur la jambe, relâche la nuque. Ici, prenez le temps d'ouvrir les jambes un peu plus larges en restant sur la jambe, complètement. Relâche la nuque. Marche les mains au centre, on change de l'autre côté. Les hanches restent face, seulement le nombril s'en vient se coller au genou. Et repasse tranquillement du premier côté. Marche, bas les mains. Et essaie de venir détendre la nuque, d'avoir le poids complètement au centre. Du pied, très important. Doucement, tourne les hanches. Garde les pieds bien en parallèle. La tête est détendue, les épaules aussi. Doucement, inspire, expire. Essaie de descendre le tronc un peu plus bas. Descends la tête. Flexe les pieds de devant. Tire les orteils vers le plafond.
et doucement dépose les orteils. En même temps, je descends la tête avec les orteils plus basses. On y va pour une deuxième fois. Flex le pied de devant. Tranquillement, descends les orteils, descends la tête, descends la nuque. Garde le poids bien au centre, mes hanches sont complètement centrées. Doucement, recule la jambe de derrière pour se retrouver en position de fente. Bien, bien allongé. Attention, le genou reste au-dessus du talon en avant. Ma nuque est allongée, mon talon pousse loin derrière. J'ai une tension entre ma tête et mon talon. Les deux devraient s'éloigner en tout temps. Viens déposer le genou au sol, doucement. Essaie de relâcher les hanches ici, de venir tout relâcher les muscles au complet. Essaie de descendre un peu plus le bassin. Doucement, viens allonger la jambe derrière. Pense à allonger la nuque à l'opposé en même temps. Je crée une extension maximale. Et redescends encore une fois. Cette fois-ci, essaie de descendre les hanches un peu plus basses. Relâche le corps. Et viens allonger derrière. Pousse le talon. Allonge la nuque. Tire. Et on va refaire ça une dernière fois. Descends le genou au sol. Relâche tes hanches. Relâche tout. Et allonge doucement derrière. Essaye d'aller chercher un peu plus de mobilité dans la hanche, d'aller chercher plus d'extension au niveau de la colonne. Tranquillement, referme la jambe de derrière vers l'avant, relâche la nuque. Coupe à la cheville la jambe de derrière et on s'en va en horloge, lève vers le plafond. Très important ici de relâcher la tête et de tirer les orteils vers le plafond encore plus loin. Essaye d'allonger la cuisse à l'extérieur de la hanche, va chercher au maximum. Doucement, plie le genou de la jambe qui est dans les airs. Lève le genou un peu plus haut. Une fois que le genou est levé, allonge la jambe en essayant de ne pas bouger la cuisse. Tire au plafond. Et tranquillement, plie encore une fois. Lève le genou un peu plus haut. Tire au plafond. Et allonge doucement. Descends la tête, allonge la jambe, tire jusqu'au bout des orteils. La jambe devrait sortir, allonge. Et tranquillement, redescends la jambe en parallèle à côté de l'autre. Doucement. Fais bien les deux jambes, une par-dessus l'autre, une à côté de l'autre. Relâche ta tête. Garde le poids vraiment aligné entre les hanches et les talons. Relâche la nuque. Et doucement plie les genoux et remonte une vertèbre à la fois. Doucement reviens face. Les jambes sont plus larges que les hanches. Les bras s'en viennent au plafond, allongés. Les omoplates sont descendues, les côtes sont engagées vers le sol. Mon bas du dos est bien allongé. Mes bras s'en viennent de chaque côté. Tire loin en seconde. Tire jusqu'au bout des doigts. Allonge. Tranquillement, descends dos droit devant. Allonge la nuque. Essaye de ne pas trop sortir les fesses vers l'arrière. Le poids reste vers l'avant. Les doigts allongent un peu plus loin, la nuque aussi. Avec douceur, fais la rotation de l'autre côté lentement. C'est de stabiliser les hanches, d'essayer de voir la rotation qui peut se faire un peu plus. Doucement, essaye d'ouvrir encore plus la poitrine. Amène la main au sol et viens ouvrir en utilisant le plancher. L'autre bras tire vers le plafond, la nuque est allongée, le dos reste le plus droit possible. Expire, essaye de faire la rotation un peu plus loin. Lâche le plancher doucement et allonge en diagonale. Long. Attention, les hanches restent droites. Tire les bras un peu plus loin. Expire, allonge les deux bras, se séparent. Et doucement, relâche le dos sur la jambe. Relâche la nuque. Et marche les mains au centre, on change de côté, lentement.
d'ouvrir un peu plus large pour aller chercher un peu plus d'amplitude de mouvement. Marche au centre, on s'en vient du premier côté. Relâche la nuque et c'est vraiment ici de venir déposer le nombril vers le genou. Donc, on va aller chercher de la longueur dans le bas du dos. Doucement, tourne les hanches. Relâche la nuque. Encore une fois, les hanches sont fermées, mes pieds sont en parallèle, la largeur de mes hanches, et ma tête est complètement descendue vers le sol. Lève les orteils vers le plafond de la jambe de devant. Relâche la nuque, doucement. Descends les orteils, la tête va descendre plus basse. Encore une fois, lève les orteils de devant. Et descends tranquillement. On va venir reculer la jambe de derrière, lentement, pour aller en fente. Ma nuque allonge, mon talon s'éloigne. J'ai toujours une tension entre ma nuque et mon talon qui s'éloigne. Je devrais avoir une belle ligne droite. Viens doucement déposer le genou au sol. Laisse tomber les hanches complètement molles. Viens chercher un peu d'amplitude dans l'avant de la cuisse. Doucement, viens allonger la jambe derrière. Allonge la nuque, allonge la jambe, va chercher une extension, allez-y en douceur, ça se fait lentement. Allonge la tête un peu plus loin. Et tranquillement, dépose le genou au sol. Relâche la hanche encore une fois. Et doucement, dépose les orteils au sol, allonge la jambe. Tire un petit peu plus loin, allonge au maximum. Et relâche au sol, on y va pour une dernière fois. Laisse tomber la hanche. Et allonge tranquillement. Pense à pousser le talon un peu plus loin, le bassin devrait rester un peu plus bas d'ici la troisième fois qu'on allonge. Doucement, referme la jambe derrière. Relâche la nuque. Coupe la jambe derrière à la cheville. Et hop, on s'en vient en horloge. Tire la jambe au plafond. Relâche la nuque. Tire les orteils vers le plafond pour venir ouvrir la hanche. Tranquillement, plie le genou de la jambe qui est dans les airs. Lève le genou davantage vers le plafond. Sans bouger la cuisse, essaie d'allonger la jambe le plus haut possible. Tire, tire, tire. Allonge au maximum jusqu'au bout des orteils. Deuxième fois, plie le genou. Lève le genou un peu plus haut. Et allonge doucement. Garde la longueur, garde la hauteur. Doucement, referme la jambe derrière. Relâche la nuque, relâche tout. Et ramène la jambe à côté de la première. Relâche le dos, plie les genoux et doucement déroule une vertèbre à la fois, la tête et les épaules et les bras restent lourds, tranquillement. Et voilà, première partie d'étirement finie. Good job! Alors, pour la deuxième partie de l'étirement, nous allons commencer au sol. On va venir mettre les jambes pieds en tailleur, la jambe droite devant, s'il vous plaît. Le bras gauche, la main gauche s'en vient au sol devant le pied et le bras droit s'en vient à la hauteur de l'épaule devant soi. Tranquillement, bascule le bassin vers l'arrière, sors les fesses, allonge en dos droit en diagonale. Amène le dos loin devant, relâche la nuque. Inspire sur place, expire, va un peu plus vers l'avant. Tire vers l'avant. Garde la longueur et descend jusqu'au sol lentement en allongeant le plus long possible le bas du dos. Relâche les deux bras au sol.
Relâche la nuque, les deux bras vont être détendus. Marche les mains en diagonale vers la jambe gauche. Relâche la tête, tire les bras un peu plus loin. Reviens au centre lentement. Remonte une vertèbre à la fois lentement. Lève le bras gauche vers le plafond. Et tranquillement, penche sur le côté. Relâche les épaules. Viens allonger la taille. Ouvre les épaules face, tire un peu plus loin. Descends la fesse opposée au sol. Grand cercle vers l'avant lentement. Rotation dans le omoplate. Tire vers l'avant. Ouvre le bras sur le côté. Allonge le dos. Tire au plafond le bras. Long, long, long. Allonge la taille davantage. Et relâche le coude doucement. Change de jambe. La jambe gauche s'en vient devant. Le bras droit devant le pied gauche et le bras gauche devant la poitrine. Tranquillement, sors les fesses, allonge le dos un peu plus loin. On s'avance vers l'avant. On amène le dos en diagonale vers l'avant. Expire, allonge davantage. Expire un peu plus loin. Doucement, garde la longueur et descend jusqu'au bas en gardant le dos le plus long possible vers le sol. Descend tranquillement. Relâche complètement tout. Relâche les deux bras. Marche les mains doucement vers la droite. Garde la fesse opposée au sol. Avance les mains un peu plus loin. Tire en longueur. Reviens au centre doucement. Et déroule une vertèbre à la fois. Monte le bras droit proche de l'oreille. Allonge la taille, relâche l'épaule, penche doucement sur le côté. Allonge les ongles, garde les épaules face, les deux genoux restent ouverts. Tranquillement, rotation vers l'avant. Tire le dos rond. Allonge le bras. Viens ouvrir sur le côté opposé. Allonge le bras au plafond. Relâche l'épaule. Allonge la tête. Tire un peu plus loin. Allonge, allonge. Et redescends le coude doucement. On va venir travailler les carpés. Donc, les jambes vont devenir allongées devant soi. Les pieds sont en flexion. Le dos est allongé au complet. Les omoplates sont dégagées et engagées vers l'arrière complètement. Les mains s'en viennent de chaque côté des épaules. Tranquillement, pousse les talons vers l'avant. Première étape. Avance tranquillement le dos le plus long possible. Pousse les mains vers l'avant. Lentement. Reste sur place. Pousse les talons un peu plus loin. Et avance le dos. Pousse les talons. Expire, avance le dos. Dernière fois, flex encore plus les pieds. Et avance le dos un peu plus loin. Cette fois-ci, reste par-dessus avec le dos, pointe les pieds. Allonge les doigts, tire loin devant. Expire, va chercher un peu plus de longueur encore. Tire, tire, tire. Et en gardant cette longueur, viens descendre sur les jambes. Et reste détendu en carpé. Relâche la tête, relâche tout. Remonte lentement, une vertèbre à la fois. Recule les omoplates, allonge la nuque, allonge le dos au maximum. Ramène les mains de chaque côté des épaules, flex les pieds. On y va pour une deuxième fois. Tranquillement, pousse devant. Ajoute une résistance un peu dans les mains, pousse les talons vers l'avant. Expire, avance davantage. Pousse les talons, relâche les épaules. Expire, allonge davantage par-dessus les pieds. Pousse, pousse, pousse. Dernière fois, flex les pieds et va un peu plus loin. Pointe les pieds, allonge les doigts, tire un peu plus par-dessus. Tranquillement, garde la longueur et descend complètement sur les jambes. Relâche la tête.
Relâche les bras, relâche tout. Doucement, remonte une vertèbre à la fois. Flex les pieds. Allonge le dos et pousse vers l'avant encore une fois. Tranquillement, dernière fois, on devrait aller un peu plus loin. Expire, pousse les talons, allonge le dos. Tranquillement, sans donner de coups. Flex les pieds, avance un peu plus. Flex les pieds, avance davantage. Pointe les pieds, allonge les doigts. Expire, allonge, allonge. Et redescends tranquillement sur les jambes, relâche tout. Essaie de descendre le nombril un peu plus proche du genou. Et remonte une vertèbre à la fois. Tranquillement, on s'en vient sur le dos. Vous pouvez prendre une ganse ou une serviette si vous êtes à la maison. Pliez la jambe. Flex le talon le plus loin possible. Pousse le talon loin. Descends la fesse opposée au sol. L'autre jambe est bien ancrée. Le genou est en ligne avec la hanche. Relâche la nuque et les épaules. Tranquillement, essaie de descendre les orteils un peu plus vers soi, lentement. Pousse le talon. Descends un peu plus bas. Doucement, on va amener en diagonale. Donc, la jambe va se revenir vers l'épaule opposée en essayant de garder la fesse au sol. Pousse le talon, descends la fesse. Expire, essaie d'amener les orteils un peu plus vers l'épaule opposée. Doucement, reviens au centre. Plie le genou dans la poitrine. Et allonge la jambe doucement. Encore une fois, relâche tous les muscles, plie le genou. Pousse le talon loin et allonge. Dernière fois, plie le genou. Et allonge doucement. Garde la jambe exactement où est-ce qu'elle est et allonge la jambe opposée au sol. Les deux jambes s'éloignent. La jambe qui est au sol va pousser dans le plancher. L'autre devrait s'approcher un peu plus proche du nez. Relâche les épaules, relâche la nuque. Tranquillement, tourne les hanches sur le côté. Roule loin. Le bras s'en vient devant soi. Les jambes sont allongées en dessous. L'autre jambe est vraiment sur le côté de soi. Essaie de venir descendre le pied le plus proche possible de l'oreille. Avec contrôle, amène la jambe devant le nez, lentement. Les hanches devraient être face au sol. Le quadriceps de la jambe qui est allongé loin derrière devrait être vraiment au sol. Rapproche la jambe un peu plus proche du nez, tranquillement, en douceur. Et reste ici détendu, doucement. Va chercher la jambe derrière, tranquillement, plie le genou. Va chercher avec la main. Et essaie de venir descendre le talon le plus proche possible de la fesse. C'est de respirer et d'être détendu. Expire, descend le talon un peu plus bas. Tranquillement, allonge la jambe, lâche le pied. Pousse dans les mains et on s'en vient en split. Rendu ici, peu importe la hauteur que vous êtes dans votre split, essayez vraiment d'allonger les deux pieds à l'opposé. Donc, les deux jambes devraient s'éloigner en tout temps. Même si vous êtes bien confortable dans votre split assis, il devrait toujours être actif. Donc, vos jambes devraient toujours essayer de s'éloigner et d'allonger le dos. On reste ici pour un petit instant.
Allonge les jambes un peu plus. Doucement, on va venir sortir de la split. Tranquillement, donc juste fermer les jambes, plier les genoux, allez-y en douceur. Et on va retourner sur le dos avec la prochaine jambe. L'autre jambe est pliée au sol, les épaules sont descendues, la fesse est bien connectée au plancher. On va avoir une opposition entre le talon et la fesse. Le pied est complètement flex, les talons poussent encore plus. Lâchez les épaules. Tire, descend les orteils un peu plus vers le nez. Tranquillement, amène la jambe en diagonale vers l'épaule opposée. Ici, essaie vraiment d'amener les orteils vers l'épaule, donc un peu plus vers l'avant. Doucement, reviens au centre. Le genou qui est au sol devrait être bien aligné avec la hanche. Plie le genou de la jambe tranquillement, relâche les muscles. Et allonge, pousse vers le plafond. Plie le genou doucement. Et allonge, pousse loin. Relâche la nuque, relâche les épaules. Dernière fois, plie. Et allonge tranquillement, pousse le talon loin. Garde la jambe exactement vers le plafond. Descends les orteils maintenant un peu plus basse, vers le nez. Essaye de descendre la jambe vers soi. Encore un peu plus. Garde la jambe au plafond exactement où est-ce qu'elle est et allonge la jambe, deuxième jambe au sol s'il te plaît. Donc ici, la jambe devrait pousser dans le sol, l'autre jambe s'en vient vers soi tranquillement. Doucement, se tourne sur le côté. Les hanches sont complètement de côté. La main peut être un peu devant soi pour garder un bon équilibre. L'autre jambe est allongée, descend les orteils vers les oreilles. Expire, descend un peu plus bas. Tranquillement, avec contrôle, on amène la jambe devant le nez le plus proche possible. Amène les hanches face au sol. Et doucement, plie la jambe de derrière. Viens chercher avec le pied. De garder les hanches détendues ici. Relâche tout. Le quadriceps devrait être complètement planché. Et de rester proche le nez de la jambe. Expire, descend un peu plus bas. Tranquillement, allonge la jambe au sol. Pousse dans les mains et on s'en vient en split. Encore une fois, les deux jambes devraient s'éloigner en tout temps. Essayez de jamais donner de coups. Donc, ça devrait être en douceur. Mes jambes devraient allonger au maximum. C'est d'allonger un peu plus loin. Et tranquillement, on sort de la position, plie les deux genoux. Pour la prochaine étape de l'étirement, qui est l'étirement final, on peut le faire plus facilement si les deux jambes vont être collées à un mur, mais pour l'instant, on va le faire dans le vide. Sofiane va allonger ses jambes au plafond, les jambes collées. Tranquillement, imaginez que vos fesses et vos talons sont à côté sur un mur.
Et vous allez venir descendre les jambes de chaque côté en douceur. Vous n'avez pas besoin de tenir vos cuisses quand vous êtes à côté sur un mur, mais pour le temps présent, puisqu'on est dans le vide, Sofiane va se tenir les jambes pour être sûre qu'elle est bien engagée. Ici, le but est bien de laisser le temps faire son travail et la gravité. Donc, on veut rester complètement détendu dans les jambes, dans les hanches, dans les épaules. C'est vraiment juste que les jambes devraient descendre doucement, pas vite, avec le temps. Si ça tire un peu trop, on peut fermer les jambes ensemble, doucement. Prendre quelques respirations, prenez un petit repos et on refait tranquillement, ouvre les jambes. Donc cet exercice peut se faire à votre propre rythme à la maison, dépendamment de votre endurance et dépendamment de votre temps que vous avez à accorder à votre split. Donc vous pouvez y aller en plusieurs étapes, vous pouvez rester vraiment un temps illimité dans cette position. Mais allez-y doucement, on ne veut jamais donner de coup, faire attention aux ligaments. Tranquillement ferme les jambes. Et on y va pour une dernière fois. Ouvre les jambes de chaque côté. Si ça tire au niveau des genoux, on peut plier un petit peu les genoux, juste un petit peu, ou refermer un peu l'ouverture des jambes. Souvent, c'est parce que les ligaments viennent tirer, donc vous pouvez juste refermer un peu plus les jambes. Ça ne devrait pas vraiment tirer derrière les genoux. Et referme tranquillement. Et voilà, on va fermer les genoux, revenir assis. Merci Sofiane, c'est ce qui conclut notre séance d'étirement.